spectaculaire, comme d'hab. C'est rare qu'on me fasse des compliments. Oh, tu sous-estimes pas. En tant que crypteur, j'aurais pas pu trouver mieux. Tu pourrais chercher, mais on n'est pas nombreux. Le premier relais est pas loin. Pour l'instant, c'est un contrat facile. Au moins, tu t'en sortiras vivante. Inspecter des capteurs tous les mois, tu parles d'une vie. Ça paye les factures. C'est pas vraiment la devise des freelancers. Eh ben, en attendant que les freelancers soient de nouveau sur pied, on peut toujours profiter de ce magnifique paysage de Bastion. Et c'est encore mieux en volant. Ouais. Sympa de me rendre jaloux pendant que je suis coincé au fort. Ok, donc là je faisais un peu mumuse avec mon javelin. Donc là on a désormais toutes les capacités du javelin puisqu'on n'est plus aussi abîmé que quand on était pendant la mission. C'est la première depuis des mois. Les cartes de cette zone sont incomplètes. Donc alors que j'explique un petit peu. Quand je suis en vol, comme vous pouvez le voir au milieu, en bas de l'écran. En bas de l'écran, au milieu, vous avez une jauge qui est en train de se remplir d'ailleurs, qui est ma jauge de vol, de surchauffe. Et donc, plus je vole, plus elle monte. Et là, comme par exemple, elle a commencé à devenir rouge. Voilà. Si je bourre un petit peu trop, j'ai une surchauffe. Donc, l'armure surchauffe et vous êtes obligé de vous écraser. Je sais plus si vous pouvez couper le javelin ou. Tiens, les galapins. Et qui font leur truc de galapin? Donc en vol, vous avez donc... Alors, récolter, je vais bien sûr récolter tout ça. Je vais pas faire le truc tout de suite. Vous avez différentes façons de voler. Donc, soit vous êtes en vitesse normale, tranquille. Soit vous accélérez en appuyant sur la vitesse de... Ah, ça je savais pas par contre. Merci de me l'informer. Soit vous accélérez en appuyant sur la touche de... d'avancer. Pour avancer, ou alors vous ralentissez, vous pouvez ralentir un petit peu en appuyant sur la touche de arrière, ou alors vous vous mettez en vol stationnaire, comme je fais là, en visant tout simplement. Alors c'est assez fun les commandes, c'est assez, faut le temps de prendre en rond, il faut le temps de prendre les manipulations. De s'y habituer, mais c'est assez fun. Et je n'écoute du coup pas du tout ce qu'il dit, mais je m'en bats les steaks. Alors on va essayer quand même de faire cette mission là, mais... Alors... Ouais, je sais. Donc on a des munitions... On a donc en bas à droite, on a notre arme qui est actuellement un fusil d'assaut. Nous avons une grenade. Un premier équipement qui est la grenade. Un deuxième équipement actuellement c'est un missile téléguidé normalement. En V j'ai le coup de poing. Ah, il va falloir que je reconfigure par contre mes touches parce que j'aime bien avoir le coup de poing sur la souris. Ouais, pas comme l'autre fois dans les forêts obscures. Vos gueules vous deux. Donc j'ai un coup de poing qui change un petit peu selon les javelins, mais que je ne peux pas je peux pas bourrer en fait. J'ai un petit cooldown. Donc là par exemple je bourre la touche hein, vraiment. Donc il faut, si je veux le... Je peux pas facilement le bourrer en fait. Enfin le faire trop souvent. Alors on va utiliser la technique qu'ils m'ont appris pour faire descendre la surchauffe. Ah bah c'est nickel. Alors, les chauves-souris, on s'en fout. Il va falloir que tu y accèdes. Ok, on y est. Tranquillement. Approche-toi, que je capte les signaux d'énergie des démiurges. Attends, je détecte des mouvements. On dirait des scorpions. Ah, j'ai pas touché à ma sensibilité, ça va pas être cool. T'inquiète, mes balles vont les convaincre. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Faut que je retourne sur place, d'accord. Est-ce que je peux mettre
pause. Non, ça met pas pause. La preuve, je viens de m'en prendre une. Faut que je touche à ma sensibilité parce que là, elle est trop. Elle est trop courte. C'est... Enfin, la sensibilité aux visées surtout. Parce que sinon, cette sensibilité-là, elle va. Pas trop mal, mais. Voilà. Allez, dépêche-toi, Wen. Pour l'instant, je n'ai qu'une arme, j'aurais possibilité d'avoir plusieurs armes après. Quoi ? Tout est normal dans l'ensemble. Dans l'ensemble ? Dans l'ensemble ? On parle du système d'alerte rapide là. S'il détecte quelque chose. C'est bon, aucun signe d'énergie des démiurges. Rejoins le capteur suivant. Ok. J'ai une cascade devant, si tu veux refroidir ton exo. Pareil, on peut refroidir effectivement en allant dans l'eau. Alors du coup, le fait d'être passé dans la cascade pour un petit moment, j'ai pas eu de... Oui, bien sûr. Mais d'abord, avant d'y jeter un œil, je vais toucher à mes commandes. Voilà, c'est tout bon. J'en ai profité. Alors normalement, c'est bon, ma visée, je devrais... Ma sensibilité devrait être bonne. Ouais, ça... J'y retoucherai peut-être un petit peu, mais ça devrait le faire pour l'instant. Et j'ai modifié aussi mon corps à corps. Aucun signe de scorpion, c'est déjà ça. Ils sont agressifs aujourd'hui. Alors, pas de scorpion, mais je pense pas que je vais rester tranquille longtemps. Ouais, il se passe quoi là ? Pourquoi tous les oiseaux des camps ? Attends, je regarde ça. Alors, chaque créature ont des points faibles. Potentiel énergie des démiurges. Rejoins le prochain capteur quand on affine ça. Ok. Voilà. Owen, je risque quoi là ? Vérité dans le Maelstrom, pas vrai ? Ouais, n'en parle même pas. Tu vois, Serwin, il y a une théorie selon laquelle une relique a inversé la gravité pendant un jour. Mm-hmm. Viens avec moi, ça se passera pas comme ça. Allez, ma... Je les vois, ces cracheuses de feu. On doit toujours faire un scan. Toi, je t'ai eu, connasse. Donc chaque créature a son point faible. T'inquiète pas, ton javelin résiste à la chaleur. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins ? Tu verras bien. Et donc eux, c'était, je crois, c'était en dessous du ventre, au niveau du torse. Laisse-moi une seconde que je récupère les données. Attention, t'as d'autres où hivernent après toi. Ils sont tous de mauvaise humeur. Ouais. T'es dans leur nid ? Allez, crève. Voilà, toi tu prends ça. Comment ça peut être un combat loyal si ces trucs peuvent voler et cracher du feu ? Elles sont générées par une relique des démiurges. À quoi tu t'attendais ? Les démiurges avaient plus d'un tour dans leur sac. Mais tu peux en dire autant. Bande d'enfoirés. Oula. Ah, il nous indique. Alors, voilà. Un petit missile téléguidé. Ok, qu'il la one shot. Donc je m'amuse un petit peu avec mon javelin. Hein. Voilà. C'est honnêtement ce jeu, c'est surtout ça. C'est. Il y a une relique dangereusement instable dans le coin. Je pense l'avoir localisée. Je m'en occupe. Ah ok, ce jeu c'est beaucoup, vous avez beaucoup vous amuser avec vos javelins à se promener. Par contre, on va aller sous l'eau, donc ça c'est pas mal aussi. Les joints d'étanchéité tiennent le coup, tu veux que j'appelle d'autres freelancers ? Pas le temps, si on attend ça risque d'empirer. Merci, donc j'ai une jauge cette fois non pas de surchauffe en bas mais de respiration. Nous y voilà. Les ruines des démiurges, on est sur la bonne piste. On dirait une nickel. J'ai déjà eu affaire à ça. Regarde les lumières qui flottent tout autour. C'est ça les échos. Nickel, les je les vois. Et amène-les à la porte. Alors ça je. C'est trois à la fois. Trois à la fois ? Je pensais que c'était plus. Un fragment d'énergie de l'hymne à la dérive. Hop. J'en ai trois, je ramène les trois. Ça fonctionne. Je me demande pas comment, je suis pas arcaniste. Je te pose d'autres échos. Voilà, il y en a un autre là.
Il y en a un autre là-bas. J'ai. Pendant la démo, j'ai pu faire quelques quêtes comme ça. C'est pour ça que je sais déjà ce qu'il faut faire. Si la porte s'ouvre. Il n'y en a que 5? Ok. Ça marche. Donc, Impressionnant. à savoir que Pour une ruine des en démiurges, quête, il faut tout savoir. vous Une aurez. montagne, un océan, une nouvelle monstruosité. Il y a forcément une raison derrière tout ça. C'est l'énigme de notre monde. Et celle-ci se réveille, détecte une intense énergie plus loin. Ok, alors, je vais pas avancer tout de suite. Vous avez dans le jeu plusieurs missions. L'occasion de faire plusieurs missions où c'est vraiment 4, enfin des escouades de 4, ou alors il y a des donjons aussi, qui sont en escouade de 4 aussi, tranquillement. Et vous avez des possibilités de faire, de partir en vraiment en exploration toute bête. Votre rôle, c'est de. Enfin, vous promener dans la map. Quelqu'un est venu ici. Quelque chose me dit qu'il n'a pas dû ressortir. Ok. Vous promenez sur une map et vous faites tout ce qu'il y a à faire. On vous propose des quêtes sur le terrain, un petit peu à l'arrache. Ok, faut que j'évite les. Si tu continues comme ça, tu vas finir par surcharger. C'est fait. Le javelin surcharge. 2 secondes. Ouais, 2 secondes, 2 secondes. Ok, donc il va falloir que je gère par rapport à ça. Non, je me le suis pas pris, c'est pas du juste. Ok, j'ai eu de la chance. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas trop grave. Merci, mon grand. Là-bas, j'en vois un là-bas. Le problème, c'est que c'est quand même loin. Il a l'air d'y en avoir aussi sous l'eau. Y en a une là. Voilà. On peut apporter ces trois là. Il restera trois qui sont là-bas. Enfin, il y en a une là-bas, une sous l'eau. Ah, c'est chiant. Va savoir. La poche d'énergie grossit de plus en plus. Quelque chose est en train de se former là-dedans. C'est quoi? Tout est possible. Regarde les chutes d'eau, elles coulent à l'envers. Alors, juste, j'ai besoin, voilà, de prendre un petit peu mon temps pour voir aux alentours. C'est ça, c'est assez efficace aussi, le fait de se mettre en surplace. Il faut catalyser là-dedans. C'est de la création à l'état pur. Quelque chose de totalement. Ah bah, je passe dans la cascade, ça me fait du bien. C'est la faute des démiurges. Ça n'en reste pas moins fascinant. Les décors de ce jeu sont assez sympathiques. Assez beau. Et tant mieux, parce que dans un jeu où vous pouvez quand même. Enfin, vous allez pouvoir voler partout. T'as réussi, Donc. c'est prêt à neutraliser. Ne me faites pas combattre des titans, ça serait pas cool. Enfin, des jeunes titans. Ce serait pas cool. Là. Ça a pas tenu. Je vois ça. C'est pas vrai. Ça commence. T'as de la compagnie. Ok. Owen, c'est quand tu veux. Oui, j'essaie de réfléchir. L'énergie des démiurges est toujours en augmentation. C'est bien. Et merde. L'échauffement avant l'arrivée du cataclysme. Le temps intense pour un échauffement. Je t'avais dit que tout était possible. Tu vas devoir te farcir ça, sans quoi ça fera qu'empirer. Ok, pas de soucis, t'inquiète mon grand. Alors l'avantage, c'est que ces créatures-là sont forcément au sol. Alors dites-moi que ça me refroidit cette connerie. Non, ça me refroidit pas, c'est pas cool. Pas grave. C'est un peu la merde à voir.
Alors je pourrais me mettre dans une cascade pour profiter de la cascade pour éviter la surchauffe et viser depuis la cascade. Allez, viens là mon grand. Voilà. La suite, éliminer les ennemis, hein. C'est l'objectif de ma quête. J'ai peut-être une idée. Donne-moi une minute. Allez, dépêche-toi mon grand. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Éliminer toujours les ennemis? Voilà, il fallait que je me rapproche un petit peu. Bon, je vais me poser au sol parce que... ça sera plus fun comme ça quand même. Raté mon grand. Bien, monsieur. Oh, mais tu fais chier. Oh. Je peux pas être un peu tranquille. Je pensais que c'était un jeu d'exploration, moi. Ah, oh, je me serais planté. Dégage. Voilà. Le coup de crosse, j'ai pu vous le montrer au passage. Il y en a d'autres. Continue, tu vas t'en tirer. J'en suis presque sûr. Merde. Quelque chose de biologique. C'est tout ce que je peux dire avec certitude. Allez, on va s'en sortir. Non, 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 tu me touches pas, toi. Il y en a encore, mais c'est pas vrai. Alors j'ai l'impression... j'ai pas compris. Mais de toute évidence je peux pas voler avec quelque chose parce que c'est trop lourd. Ah les fragments. J'ai compris les vêtements sur le coup mais ça me paraissait bizarre. Donc ça m'empêche de voler avec les fragments, c'est pas trop grave à la rigueur. Ah, chiotte! Bon, utiliser mon missile pour ça, c'est un peu la merde, mais... Je m'inquiète plus de leur taille à la place. Quoi? Elle faut quelle taille? Entre grande et énorme. Allez, avance! Deux secondes, mon grand! Deux secondes, deux secondes, deux secondes! Voilà! C'est pareil, vous avez une attaque au corps à corps différente si vous êtes en vol ou si vous êtes à terre. Ou si vous sprintez ou... Allez, mets le dernier truc. Ok, le dernier. C'est parti. Attention, tout est... Possible, je sais, je sais. Il paraît qu'une fois un type a été désintégré par une relique. Pouf, disparu. Et lui, il a eu moins de chance que le freelancer qui s'est retrouvé les tripes à l'air. En quoi c'est de la chance? Au moins, lui, il est mort et c'est tout. Oh, quelle galère. Bah oui, comme toujours. Des énigmes que seuls les démiurges peuvent comprendre. Non, je veux dire qu'il y a de la glace qui bloque. Ouais, qu'est-ce que... Presse, neutralise-la. Ouais, bah j'essaie. Va le dire à celui-là. C'est un Ursix. Ça fonctionne pas. Laisse-le frapper. C'est bon. Eh ben, c'était de la grosse bestiole, cette connerie. Moi je l'aurais laissé frapper le truc en fait. Ouais, cette histoire deviendra un classique. Avec ça, notre contrat est rempli. Parfait. Comme toujours, je suis en chemin.
Et donc c'était Anthème. Ce n'était, je pense, que le débit d'une grande aventure qu'on fera peut-être pas ensemble au complet. Mais je pense que je ferai quelques parties de temps en temps dessus pour vous montrer quelques trucs. Je pense que je ferai peut-être encore une ou deux missions avec vous. Après, je ne vous cacherai pas le plaisir du jeu. Je vous laisserai tout découvrir vous-même. Alors, bien évidemment, en fin de mission, vous avez des récompenses, donc des médailles, donc par rapport à si vous avez tiré dans les parties fragiles des cibles. Si vous avez utilisé beaucoup de grenades, si vous avez utilisé beaucoup de fois le corps à corps, si vous avez... tous les trucs comme ça. Si vous avez réanimé beaucoup de vos compagnons, là il n'y avait pas de compagnons donc j'avais personne à réanimer. Et plus vous avez de récompenses et plus vous avez bien entendu d'expérience. Niveau de pilote augmenté, nouveau javelin déverrouillé. Donc là je vais pouvoir choisir mon javelin, on va le choisir ensemble. Hop. Alors déjà ça c'est le butin qu'on a eu pendant la mission, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Oh ça c'est cool. Vous ne pouvez pas équiper une arme que vous venez d'avoir en pleine mission. Vos équipements vous les gérez seulement au fort. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. Je verrai plus tard pour les armes tout ce que j'ai eu. Hein. Pour l'instant je m'en fous un peu. Ouais, juste regarder l'histoire du javelin et vous montrer un petit peu le principe de la forge. Donc voilà, nous sommes là actuellement à Fort Tarsis, qui est la base de... qui est notre base. La base des javelins qui sont restés sur place pour protéger le peuple. Et donc c'est la plateforme où on va avoir tout notre équipement, là où on va pouvoir gérer notre équipement. Didacticiel sur la création de personnages. Choisissez un visage pour votre pilote avec espace. Définissez votre pseudo, vous seul pourrez le voir, il vous permet de différencier votre pilote. Confirmez votre choix et commencez à jouer en appuyant sur F. Ok mon vieux. Ok, donc on a moyen de voir un petit peu les pilotes qu'on peut choisir. Il y en a qui ont vraiment des sales gueules. Alors forcément j'ai choisi une voix féminine, donc il me propose des pilotes féminins. Alors pour l'instant il y en a que deux qui me tentent. Soit elle. En fait, c'est surtout par rapport à la voix. Je trouve que la voix irait peut-être plus à ces deux-là qu'aux autres. Mais... Allez, je prendrai elle. Bon, et du coup, je m'appelle Meiko Taro. Forcément. C'est pas grave. C'était prévu. Nous y voilà, de retour à Fort Tarsis, le dernier poste frontière de Bastion. Mais c'est ma freelancer préférée. J'ai entendu dire que t'as pas chômé. Tu connais la routine, Zoé. La catastrophe du jour a été évitée. Qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Mais rien. Mon armure va très bien. Enfin, j'espère. Bienvenue à la maison. Tu viendras me voir dans l'enclave, je serai à mon amplificateur. Il y a un problème? Non, pas de problème. Plutôt l'inverse, je dirais. Quand tu peux. Ok, actuellement bah, on n'a rien de disponible. Ah si, la forge est là normalement. Non, elle est pas disponible. Alors donc, que je vous explique vite fait, et puis on se quittera là dessus j'irai parler à Owen plus tard. Que je vous explique vite fait, nous avons le javelin ici, donc c'est ici qu'on vient à chaque fois. Et bah, on peut malheureusement pas sauter sur quand on est ici. Ah, par contre ils ont rajouté un sprint. Ah ça c'est bon ça par contre. Pendant la démo c'était la remarque qu'on se faisait, c'est qu'il n'y avait pas de sprint, donc on avançait à la vitesse, on avançait comme ça. C'était assez pète couille de traverser la zone comme ça, c'était voilà. Par contre on ne peut toujours pas sauter et ça c'est dommage.
Ça manque un peu. Alors, pas forcément des grands sauts, hein, puisqu'on n'est pas dans le javelin, donc juste des petits sauts. Mais des petits sauts, voilà, pour histoire de grimper cette plateforme sans avoir besoin des escaliers ou. Parce que voilà, c'est question liberté, c'est quand même mieux, je trouve, de pouvoir monter, enfin de pouvoir sauter. Colosse déverrouillé. Ce javelin lourdement blindé est un pilier de la société humaine, utilisé dans différents secteurs tels que l'industrie, la plongée dans l'eau, en eau profonde et le transport de matériel lourd. Plus lent que les autres modèles, il peut cependant résister à une quantité impressionnante de dégâts. Au combat, vous pouvez compter sur le Colosse pour tenir bon ou disperser les menaces grâce à sa force phénoménale en combat rapproché. La capacité ultime du Colosse, canon de siège. Le Colosse est en permanence muni d'un énorme canon pliable à pleine puissance. Le Colosse peut déployer l'arme et devenir invulnérable aux dégâts. Le canon tire des projectiles puissants et explosifs pour des résultats dévastateurs. Voilà. Donc ça sera, je pense, le premier javelin que je prendrai. Je sais pas si je l'ai choisi ou pas déjà. Mais ça sera le premier javelin que je prendrai. Mais voilà. La forge donc sera ici. Malheureusement, je ne peux pas encore vous montrer pour toutes les armes. Donc on fera une prochaine vidéo là-dessus, bien sûr. D'ailleurs, cette vidéo-là, je vais sans doute la couper en deux puisqu'elle fait trop de temps. Mais c'est pas grave. Donc, on ne peut pas encore toucher pour le moment à la forge. C'est dommage. Je vous aurais bien montré ça, mais on verra ça une prochaine fois. On a Zoé qui est ici. Donc Zoé qui est notre réparatrice de javelin, qui s'occupe de notre javelin. Qui est la chef de réparation du javelin, je pense. Et donc c'est principalement elle qui fera les blagues à la con du genre va pas péter le javelin s'il te plaît. Voilà. On a Owen donc qui doit être le point bleu là-bas qu'on ira voir plus tard. Et on a l'équipe là, mais qui sont des péons de base à qui on ne peut pas parler desquels on s'en fout complètement. Donc voilà, on verra ça pour un prochain épisode. Donc, en attendant, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bisous.